Tu as dit au bon Seigneur, non seulement que je sois derrière le temps, mais que je coupe derrière toi, que je te cesse. Lorsque tu dis au Dieu que nous sommes incendiés, et appelé le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu Seigneur, aide-moi à te chercher et non à chercher ce que tu veux. Et je me rappelle de suivre le chemin de tes commandements. Car tu as ouvert mon cœur. Il disait où mon cœur. Où mon cœur. Et après le nom de Jésus. Et à toi, tu peux plus te donner. Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux. Je le suivrai jusqu'au bout. Lorsque tu suis ton chemin, tu iras à perdition. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu fais ton choix, tu vas à la perdition. Mais lorsque Dieu te montre le chemin, lorsque Dieu te dit, voici le travail, lorsque tu te cours pour chercher l'argent et tu coûtes l'argent, l'argent va t'amener à la perdition. Qui attend? J'ai vu un prédicateur qui a fait le prêcher aujourd'hui. Il a fait une démonstration. Il a vu Dieu, quelqu'un a agi, quelqu'un le monde. Et il a fait parler et dit que, bon, c'est l'argent ici. Il dit que quand tu viens le voir, quand l'argent vient vers toi là, l'argent va te conduire vers la perdition. L'argent de corruption va t'amener. L'argent de document va t'amener à la perdition. Mais lorsque Dieu veut te donner, et tu vas vers Dieu, et c'est lui qui t'a donné l'argent, ça ne va pas s'accompagner de douleur. Ça va être vraiment dirigé comme dans les intérêts de Dieu. Tu n'es pas sauvé qui gère l'argent. Tu n'es pas sauvé. Mais tout ce que Dieu donne, on attend et qu'on le cherche et qu'il donne, amène la gloire. Gloire à Dieu. Qui attend? Vous voyez la foule aujourd'hui? Qui arrive dans la vie? Est-ce que c'est Dieu qui cherche? Non. Je vois. Cherche le matériel. Et si Dieu remet cette église vers le bas, tout le monde, le pasteur serait étonné de voir. Oh, il y a ces personnes. Tu sais, merci dans cet état. Dieu t'a dit le chemin de retour à la vérité. Remercie le nom de Jésus. Remercie-le. Nous allons aller vite pour aller dans le ciel et nous pour rester sur la terre. Oui. Rends-moi intelligent. Moi, je vais le péché, quoi. Je vais le péché. Pourquoi les gens qui font le péché dans sa tête? Ils attaquent Dieu, la gloire de Dieu. Et non, non, c'est ton maman aussi. Ces gens-là combattent la gloire de Dieu. Vous, la jeunesse, vous, la jeunesse. Libère, John, John, John.
La femme qui vient te chercher, elle est debout. Je te pose la question. Est-ce que tu sais? Je te pose la question. Tous les jeunes garçons. Ni mes sous-jeunes jeunes d'aller. Mon nom te dit. Tu vois pas debout. Dans mon état. Est-ce que tu sais tout bien dedans? Il y a des mains à plus. Tu vois un homme? As-tu mon porte? Je te dis que les beaux gars. Alors, allez au point. Tu sais tout bien dedans? Oui, des mains à plus. Répandez-vous. Tout ce que Dieu ne doit pas être là-dedans. Est-ce que vous finissez de faire vos bêtises? Vous regardez. Vous regardez. Le chemin de Dieu n'est pas le chemin de l'homme. Dis ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Entre vous, soi, entre vous, tout ce que vous faites, travail, toute formation, n'importe où. Est-ce que si tu ne veux pas de Dieu, est-ce que vraiment ça peut satisfaire Dieu? Vous, mes frères, quand est-ce que vous allez vous tourner vers Dieu? Quand? Mais lorsqu'il est en train de mettre un calcal, vous ne comprenez rien, vous continuez. Répandez-vous. Lorsqu'il n'avait pas déconnecté, conduis-moi sur le chemin de tes commandements. Plami, Ali, de ta sainte et la conduite. Est-ce que le service est en train de demander l'argent, femme, mari, enfant? Est-ce que comment est-ce que vous êtes? Est-ce que il veut que Dieu puisse le conduire. Il veut que Dieu lui-même, lorsqu'il donne une direction et s'engage, c'est ça. Et avant de Dieu. Ce que vos yeux, c'est ça. Est-ce que c'est ça que Dieu va dire amen à ça? Oui. Conduis-moi sur le chemin de tes commandements. Planie de ta sainte et j'y trouve mon plaisir. Donc c'est ce qui vient de Dieu qui donne le plaisir à l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que vous choisissez pour dire à Dieu, c'est dire amen à ça. Ou bien, touche tel chose que moi, tout tel fait que moi, touche Dieu avec vous. On m'a entendu le coup là. Si l'église arrive à ce niveau, si un enfant de Dieu arrive, tu vas rentrer dans le vrai bonheur. Si tu dis quelque chose, tu t'engages, tu sais que tu n'as pas de problème, lui va s'intervenir. Et tout le monde a parlé pour finir. Et c'est pour sa gloire. Oui. Fais que mon corps s'attache à tes ordres, et moi à l'argent. Et toi, et non à quoi? L'argent. Ton cœur est attaché à quoi? Lève-toi maintenant, tu dis Seigneur, que mon cœur se détache de l'argent. De l'amour de l'argent. Et oui, au nom de Jésus. Lève-toi, je peux entendre le plus prier fortement. Lève-toi, pousse ça. Fais-toi mon cœur soit
Salut. Lorsque ton cœur, tu es une créature de Dieu, la jeune créature, cette créature, tout ce que nos yeux voient, c'est la créature. Dieu t'a dit, il t'a créé à l'argent, en le matière, tout ce que tu vois. Et toi, mais là, qu'est-ce qu'il y a de plus de grand valeur? Il faut te reconnaître à Dieu. Et Dieu doit dire, il faut te reconnaître à Dieu. C'est pourquoi il a dit, le chemin du retour à Dieu. Apprends la parole. Le chemin du retour à Dieu. Le chemin du retour à la vérité, c'est Dieu. Oui. Détourne mes yeux des choses en valeur. Quel message. Est-ce que tu as entendu quelqu'un mourir et ce qu'il a déposé à la banque là? Est-ce que tu as jamais entendu qu'on l'a enterré avec? Amen. Et dit pour monter ton bout. On l'a enterré avec ça. C'est ceux qui n'ont pas ce cœur qui vont se prendre cela. À toi, à la rencontre de ton Dieu. Sonne, n'a été la maouille. Oui. Détourne mes yeux des choses sans valeur. Retourne du Seigneur. Détourne mes yeux des choses sans valeur. Aujourd'hui, l'église de Dieu, qu'est-ce qu'ils font des choses? Les choses de ce monde. Il est pasteur, le prophète de maintenant, de l'éternité. Quand tout le peuple fait les choses sans valeur. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Gloire à Dieu. Oui. Et fais-moi vivre. Lorsque tu vas rencontrer Dieu lui-même, ton histoire va changer. Alléluia. Lorsque tu vas vraiment, quand tu vas chercher Dieu, tu vas trouver Dieu, tu vas vraiment connaître Dieu et tu vas aimer Dieu avant de le servir. Tu le cherches? Tu le trouves? Tu le connais? Et tu l'aimes avant de faire quelque chose avec ce Dieu. Qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir? Alléluia. Alléluia. Donc il faut faire quoi d'abord? Premièrement, troisièmement, quatrième, cinquième. C'est le cheminement, ça, les étapes. Oui? Accomplis pour moi ton serviteur. Ce que tu as promis à ceux qui te respectent. Moi, t'as pas ton
Donc si tu n'as pas une promesse de Dieu, derrière tu ne fais que courir, prier, prier de montagne en montagne. Je vais te faire il faut tout recevoir. Tout ce qu'il a promis, mon frère, quels que soient les guerres, quels que soient les combats, ça va s'accomplir. Lorsque tu es terre. C'est ce qui, ce que tu connais. Ce que Dieu connaît. Et qui vraiment veut les utiliser d'une manière spéciale. Il te localise. Bon, et tu n'as jamais eu des problèmes avec toi. Tu n'as jamais eu des problèmes avec toi. Il va faire quoi? Et tu n'as va attirer la colère sur le frère. Non, il a des problèmes. Après, il n'avait rien de moi. Il faut savoir que tu as de grandes choses pour toi. Grandes choses. Parce que Dieu veut prendre son temps pour former ton caractère, ton moi. Les gens pourraient prier, les gens pourraient dire des choses contre toi. Mais là, il y a des choses. Parce que la grandeur est pour toi. Dieu te forme ainsi pour que tu sois un instrument très efficace, très élevé pour lui. Tu n'es pas le rassemblement de la famille, de l'église. Non. Oui. Protège-moi des insultes qui me font peur. Ce sont des décisions qui sont bonnes. C'est bien. Tu n'as rien reçu de Dieu. Oh, tu ne le connais pas encore. Les hommes disent, et Dieu dit, qu'est-ce que vous choisissez? À la part des hommes, à la part de Dieu, qu'est-ce que tu as choisi? Oui. C'est oui, j'aime tes exigences. Non pas. Et ne peut-être saint où il est. Puisque tu es juste, fais-moi vivre. Et ne tu me demandes pas. Alléluia. Alléluia. Il faut Dieu, l'intimité, la connexion avec Dieu. Adonado, quand tu t'as attaqué, il a mal. C'est un dommage, c'est sûr. Alléluia. C'est toi, ça. Alléluia, et nous sommes bons. C'est un projet, une activité. Né à Jolie, un marché. Allô, ou un commerce, à Jolie, un travail. Allô, à Sony. Tu n'as pas parlé sur ça pour toi. Bah, ou toi, et nous sommes bons. Tiens, j'en fais. À mon chambre, j'en fais. Ou Jacqueline a fait ceci. Jacqueline ou à Jolie. J'en ai fait ceci. J'en ai fait ceci. Est-ce que c'est Dieu qui t'a éduqué cette tentative de ceci? Bah, ou bon, la Jolie, on nous sera en plus de rien. Cherche à connaître à quoi Dieu t'a appelé. Engage-toi et donne-toi tout à 100%. Tu vas voir que ton histoire va changer. Oui. Seigneur, sois bon pour moi. Sauve-moi comme tu l'as promis. Quand quelqu'un m'insultera, je saurai répondre. Car j'ai confiance en ta parole. Parce que c'est en son nom qu'il est en train de tout faire. Il n'a pas provoqué tout ce qu'il fait selon Dieu. Selon ce qu'il a reçu. Donc si quelqu'un fait ça, c'est ce que Dieu a dit. Parle avant qu'il ne parle. S'il ne dit rien, il va se taire. Alléluia. Alléluia. Ministère d'implantation des églises locales. Miel. Les actes de l'Esprit Saint.